Zami internaute, après président Luis Abinader fin passé l'ordre pour ouvrir barrière frontière, yo façon pour qu'il y ait un couloir commercial pour moun yo ka vann vin acheter et la trier. Mais barrière arrivé ouvert, pas de haïtien qui devin acheter commerce yo. Yo ouvert barrière pa yo, haïtien rale barrière pa nou, yo fermé. Yo di fermé, fermé net. Mais est-ce que te connais à cause de ça haïtien fait là, il a payé ça très cher? Oh oui, il a payé très cher. Et ceci c'est nous mêmes qui victimes, parce que nous décider faire dominicain faire déficit et économique yo a vinn baisser. Comprenez bien ça me dit là. Toute marchandise dominicain fait, yo prend yo, yo vinn vendre sur frontière. C'est avec haïtien seulement yo ka vendre tout ça qui produit. Marché international là pas besoin fatra qui sorti en République dominicaine. C'est ça, et nous mêmes qui poubelle, c'est nous mêmes pour vendre. Comprenez bien ça me dit là oui. Eh bien, ça connait passé. Gion bon haïtien, c'est bien grave, ça m'a dit là. Ça m'a dit là grave, moi m'a obligé d'il. Gion bon haïtien, petit grand goût qui trouvé yo nan belade. Moun sa tellement sans honte. Yal bay dominicain yo en prêt yo façon pour acheter. En prêt ça yo bay là la servi yo un gros problème. Pour diable, yo pa konn sa fè a. Ou konnen la yo pè pa édiqué. C'est plus gros poison lié. En prêt ça yo bay dominicain sous frontière c'est en prêt qui a tout donné biométrique. Après ça, vous attendez, oh oui, tel haïtien, il doit la banque combien de millions de pesos. Tandis que, il n'a pas de déplacer un jour pour le prêter comme dans la banque. Ça, il y a la cause, il arrête. Parce que, ou bien après tout, tout donné biométrique, non, mais dominicain, yo ka di sa ou vle sou do. Konprann bien. Malheureusement, pèp nou manke édiqué, y va fè nouvèl, y va mene ankèt sou sa ke yo fè ou fè la. Malheureusement, yo fèl, yo ketan fèl net, tout donné biométrik la yo ketan gen aksè avèk li sou frontière. Mais si la ki pou kwa l bay li, n'a di pa fè sa anko. Fòk nou trè pridan. Pas bay aucun moun emprunte nous. Pas bay aucun moun doit sous donné biométrique photo ak emprunte tout pas bay oul. Oui. Gen moun ki bay emprunte li, tale kou sa tande li te voté dans élection. Oui, nan se pa gen la il te voté. Et puis tout emprunte ça la tale kou sa yo ka mete l sous son zam. Peut-être y a dit ça oui. Ou te fait tel crime tandis que ou pas qu'on a rien dans ça qui au dou là. Oui, haïtien sous Elias Pignas yo d'accord al vann dignité yo et puis quitter dominicain prend emprunt yo, yo prend emprunt yo pour acheter. Lo ki toi voilà ki ton peuple grand goût li ka tou yo. Li ka tou yo. Bon. Si yo un président qui dit oh oui, li pa vann haïtien visa encore. Ki je nous doit le faire dominique confiance avec vente nous. Y a pas de bonne fatra, marché international la pa ka acheter sa yo produit en République dominicaine, c'est nous même qui pou bel la ou vle. Pour nous consommer. Nous dit non. Nous ne pouvons pas consommer ça qui sorti en République dominicaine encore. Parce que nous, si nous avons tête en coupole, nous dit
après deux spectacles ça Luis Abinader fin fait là nous pas porter vente nous ben nek sa yo encore qui sont bonne traite yo bonne raciste haïtien yo nan moment parler là yo trouvé en difficulté en République dominicaine saison pour laquelle pas pile pas macon m'a gardé qui jan haïtien a quitté ce domaine pour entrer la caillou sous comme m'a dit on a regardé ensemble vidéo ça après ça m'a tourné pour plus de détails avec précision avec mallette nan main yo ti sa yo capoté aller yo préparé yo jambé à la caillou bagala était tellement compliqué dans plusieurs stations bus dans Santo Domingo, Santiago et plusieurs autres zones pas de gain assez bus pour voter haïtien qui voulait déplacer en pile là était obligé retourner et tant matin là encore une fois c'est avec yon foug sans pareil haïtien a déplacé quitter zone côté yo rete pour yo aller dans pays d'Haïti pas oublier en pile dominicain a fait menace y a filé couline y a dit président Luis Abinader bay l'ordre là pour yo commencer touyer haïtien gen moun k'ap di yo touyer haïtien yo ceci yo cela jusqu'à présent moins poko konnen yon cas m'a dit oui yon cas côté que gagnent yon mobilisation dominicaine pour tuer haïtien poko gen ça gagnent yon haïtien qui victime c'était dans Soumoudol monsieur levé là fait discussion avec dominicain sur question canal c'est pas le moment ou pas qu'à lever dans moment ça là pour faire discussion pour al dit faut canal la fouiller pendant ou dans pays moun yo pas gen bagay comme ça faut qu'on intelligent ou pas qu'à lever pour ou même à tête pau ou mettre en difficulté. Mais bagay la pa rete là. M'pral montre nous plusieurs détails. Pendant que y a fait ça, eh ben déjà gagné un gros problème République Dominicaine parce que eh ben jardin ou commencé non seulement pas gen moun pour travail yo, mais commencé gen l'autre difficulté parce que non seulement pas gen moun pour travail yo, mais pas gen assez moun pour acheter yo. Parce que pas oublier yo pas produit seulement pour yo même yo consommer, yo produit tout pour yo exporter. Et deuxième marché, deuxième partenaire commercial que vous avez qui est important, c'est Haïti, après les États-Unis. Or, États-Unis, c'est produit de qualité pour vous y aller. Haïti, c'est tout rejet, tout ça, vous n'avez pas besoin, vous voyez. Cela veut dire que Haïti gagne plus d'importance sur le plan commercial pour la République dominicaine que même les États-Unis. Parce que vous vendez nous plus, vous dites nous c'est deuxième partenaire commercial. Même quand nous c'est première, parce que nous achetons plus. Et puis nous direct. C'est juste n'a arrivé le camion banana par télé espinas penalis et dahabong et himani li mette la terre et puis mon jambe yo acheté yo jambe nous comprendre eh ben c'est pas même bagaille là pour États-Unis faut des douanes faut payer bateau faut payer ceci faut faire cela et puis faut produire de qualité nous ouais bagaille là nous même produire pas de bonne qualité produire état nous sont gardés puis les haïtiens qui décident volontairement pour entrer dans pays yo qui c'est Haïti mon tellement en pile. Mais machine yo pa ka pran. Si c'est une grosse manifestation, nous avons gardé quatre montées sur Delma. Tellement moun yo a quitté la République dominicaine pour entrer la caillou Haïti. Parce que la vie menacée, c'est Domingue. Policiers avec agents immigration, ils ont cherché côté haïtien pour aller empiler dans la machine, la guerre sous frontière. Ou légal ou pas légal ou pralé y a pour y a méthode yo hier rappelez des nous te gen di fait qui te prend nan marché d'abonn mais tout gon l'autre di fait qui vient éclater c'est domaine di fait ça m'pa konnen qui est mais di fait ça comme ça et moi même m'ta remen konnen qui raison qui fait que dit ça après éclaté comme ça en République dominicaine. Il y a un gros dit qui éclaté non yon usine matla qui dans communauté lycée al medio dans zone Santiago selon ça Listen Diario rapporté jusqu'à présent. Gen moun ki konnen. Tande,
jusqu'à présent pas gagne monde qui connaît alors origine difficile là d'après information qui disponible même izin ça te gagne yon difé comme ça qui te prend la donne ça gagne plusieurs mois en plus des maths là izin ça produit ren avec dra surtout ça veut dire là difé qu'est-ce que difé ça yo on pas connait et ça c'est mauvais signe message pour tout haïtien qui attendé qui regarde vidéo ça actuellement là qui trouvé en République dominicaine n'a dit yo faut très prudent parce que 4 la marée 14 et ceci nous va gagner autorité qui prend la parole pour nous pas gagner autorité si nous victimes pour détoucher nous c'est pour laquelle pendant le conflit ça qui gagne avec haïtien avec dominicain m'a demandé nous très prudent si nous ca gagne moyen pour nous quitter côté nous hier quitter oui ça me dit nous et ça me dit nous dans le conflit dominicano haïtien pour sénateur d'Abonne qui c'est David Sosa il vient connait Saint-Domingue perdit bataille là parce que président Luis Abinader l'ouvre frontière alors que construction canal là pas campé et nous connait il te dit frontière pas ouvert tout autant canal là pas campé sénateur d'Abonne lui rappeler lui dit Saint-Domingue perdit bataille là parce que président Luis Abinader ouvert frontière alors que construction canal là pas campé d'après média dominicain NG Digital parlementaire a dit seule vérité chef l'état dominicain en bail c'est que frontière pas fonctionné même gens ça veut dire là pas de jouet dans ça m'a rappelé c'est la tête ça qui c'est David Sosa le sénateur parti la Fuerza del Pueblo FP son ancien président dominicain Leonel Fernandez a dirigé il parlait vraiment vrai dominicain Saint-Domingue yo petit bataille là j'aimerais là marché binational là li pas suspendre pas gien bagaille ça encore dominicain pap kavan haïtien qui produit et haïtien pas acheter la mais tout pendant ce temps n'a rapproché avec canal là canal li non bel niveau là c'est travail qui plus difficile qu'a fait dans canal là parce que nous connaît faut canal là bien fait faut qu'il bien fait travail qui difficile yo nous gagne un bon ingénieur qui débarque dans canal là et bien là la travail sans camper. C'est le problème qui est là, les petits matériaux parce que il y a des bails, il y a des besoins. Les déplacements, les voyages achetés, c'est difficile pour jouer. Si ça fait que les petits problèmes, c'est là qu'on fait tirer ta. Acteur Hollywood là, qui sera un acteur haïtien qui est le Jimmy Jean-Louis, c'est lui-même qui a gardé sous écran là. Il était débarqué dans le canal là. En chair. Et en zo, mais j'aime mieux te concadir. Ouais, canal ça. Selon moi-même, m'a dit, c'est un prix de rencontre. Tout haïtien a rencontré la donne. Imaginez, Jimmy Jean-Louis, c'est un gros acteur Hollywood qui passe des présentations. Quand j'ai un gros film américain, il vient dans le canal là. Ça veut dire, N'a regardé une belle photo de fan de canal là même. Côté Jimmy Jean avec un maillot noir qui marque Black Don Quick. On va aussi bien dire. N'a regardé mis en deux canal là là. La marche de canal là. Lui voit image de lui même. La supporte travail là et canal là pas campé. N'a regardé Jimmy Jean lui qui a parlé avec artiste Black Mayus. Qui compte faire des animations moins games. N'a pas gardé là la parole avec Missé.
Je crois que c'est l'été content. Ou est l'autre? Nous connaissons Black Marius lui-même, son nègre. Lui, Timis, ou content de l'enveille. Mon ap joué la donne, lui-même. Lui prend même tendance là. Lui baille, on l'autre message la donne. Ça c'est Jimmy Jean-Louis. Nèg tête jaune là, c'est Black Marius qui a parlé. Et je me garde Black Marius à sourire là. Il était content pour te voir Jimmy Jean-Louis. Face à face. On est habitué à la télévision, dans le film. Moi, je suis content pour me croiser avec Jimmy Jean-Louis. Comme ça, je vais me faire photo avec un artiste. Je vais faire une photo avec un monde qui est artiste dans le pays d'Haïti. Je vais faire une photo avec un acteur. Et bien, acteur, je vais faire théâtre. Non? Son gros acteur Hollywood, Jimmy Jean-Louis. C'est dans le canal là, il débarque en chair en zo. Il fait photo et il clairement dit lui-même dans canal là bien red elle prouve que rien dans canal là et pas dit à bouche et pas poster faire sur Twitter non il descend dans canal là et il fait photo il démontre international là li en dans canal là même Jean Johnson de Oulotte fait qu'on est canal là pas camper même Jean avec Wellclef Jean pendant le temps plein concert il te fait qu'on est canal là pas camper et Jimmy Jean lui-même débarqué. Il me pilote dans le canal là. Malé, rendez-vous dans nos prochaines émissions pour nous venir traiter un autre dossier. Et Gombaré qui a passé là tout, m'a pas aller comme ça sans pas dire. Et Dominicain yo, il a fait un bagage là, on joue parmel avec Haïtien. Et m'a regardé un poste côté Michel et Perry. Il fait qu'on est et autorité Dominicain yo, il a beauté ti moun. Sans parents, yo pas au courant. Yo botte fouillon de machine. J'aime regarder sur l'écran là. Et puis tout y a là qui yo Haïti. Et les parents a cherché Timouni. Les petits Timouni, c'est quand la voisine qui est lié. Pourtant, petit dégât arrivé sur frontière Haïti. Sans que lui va même au courant. Ça fait me dire nous très prudents. Nous même qui vivons en République Dominicaine. 4 mars 14. Et c'est nous même qui pouvons vivre nous. Parce que déjà, nous sommes bonnes victimes qui trouvaient déjà. En République Dominicaine, c'est nous-mêmes qui pouvons écouter nous. Malé, rendez-vous dans la prochaine émission pour nous venir traiter un autre dossier. Pas oublier, Chanel ça, c'est Production 609. N'a pas dit like, abonnez, pèsez sur la justification, retirez, sur personnalisé, mettez sur tout pour les nouvelles vidéos pour ne pas rater. Sur Rivière Matacla, nous venons avec nous, vice-délégué, député, vice-délégué arrondissement, voilà maintenant, c'est représentant exécutif là, et bien nous voilà présent, délégué, ou sous Caraïbe FM, ou présent, dans le niveau frontière, voilà maintenant, matin là, et ça veut dire qui ça, et dans quel objectif? Bonjour, bonjour Caraïbe, bonjour auditeur, auditrice, capitaine de Caraïbe, nous là, étant qu'autorité, nous la prise au niveau de frontière, c'est à cause de annonce. Le gouvernement dominicain qui dit que la pouvait avancer, mais nous-mêmes nous tendons par journal, par télévision, pas rien officiel qui dit ensemble avec l'autorité. Nous là c'est pour nous fournir, garder qui ça a fait au niveau de frontière. Non, au moment de faire les libertés, chita avec l'autorité locale ou bien l'autorité haïtienne, mais qu'il y a choisi encore pour l'ouvrir les pas, chita avec l'autorité haïtienne, ou même comme vous êtes exécutif. Non, c'est que je vais mieux dire pour ouvert, mais quand bien même il y a des contraintes, des pourparlers qui pour gagner ensemble avec l'autorité étatique, via par gouvernement, pour faire que par exemple la République dominicaine parle ensemble avec le gouvernement, pour poser des conditions. Comment pour marcher à ouvert? Parce que même il y a des conditions pour que par exemple le gouvernement ici ait des conditions aussi. Décision nous quoi là, sont décision locale ou bien c'est l'État central qui est passé dans l'autre pour une décision ça? Bon, nous-mêmes, nous avons responsabilité, nous, en tant que représentants et autorité pays, nous-mêmes, nous là, pour que nous prenions responsabilité, nous, comme autorité locale, pour nous faire ça que nous devons pour nous faire. Dominique, nous avons fait, Pepa ici, à passer misère, nous, pour tout profiter des erreurs, Abinadel fait aller-même pour nous corriger, Kael. On a une chance pour que nous recadrer, pour que nous faire des arrangements, nous poser des conditions, comment marcher doit fonctionner, comment Haïtiens eux-mêmes arriver l'autre bord, comment les droits humains, comment pour protéger Haïtiens, comment
à travers de monde qui a rentré sortir et qui gère le traitement pour baou. Marché binational là loué. Non, marché à bon pas nous pas gain marché binational, nous gain marché frontalier là même. Qui pour ouvert parce que je crois que délégation a travaillé à travers de comité paritaire pour que nous ouvert marché. Merci. Voilà, nous sommes avec le vice-délégué arrondissement Ouada maintenant, Awol Joseph, lui-même qui tape nous des informations, des explications concernant et bien décision autorité locale au même point pour faire et bien portail et barrière haïtien lui-même li rete et fermé et même si autorité dominicaine ou même ta prend décision pour l'ouvrir barrière au matin là mais haïti ou même yo montré ou pas intéressé il faut que nous dit selon information confirmée et nous apprendre gain en pile marchandises avec des marchands qui étaient fermés dans le marché d'Arabon. Après, Dominique même fin choisi et volé, pillé, et bien marchandises haïtiennes qui étaient, ils mettaient du fil à donne. Et nous souhaitons que l'autorité haïtienne eux-mêmes nous fassent suivi pour permettre, et bien, ces marchands eux-mêmes soient capables soit récupérer les marchandises qui sont perdues dans le niveau de la ou bien vous capable de payer yo et remettre l'argent qui a été acheté marchandises. Nous sur place, guerrier, Johnny Ferdinand, auditoire là, nous sur place, pour capable faire, eh bien, auditoire Caraïbes FM vivre et tout ça qui a passé dans le niveau frontière voilà maintenant et pour être capable, eh bien, garder le travail, construction canal, irrigation qui a fait dans le niveau et rivière Massacla pour la hausse pleine. Merci à Pile Richesse Maudelin qui t'a informé nous depuis Nord-Est pays, particulièrement Wanamet. Guerrier du seul, hier, dans l'échange que nous avons gagné avec collaborateur nous, Denel Saint-On, il a dit un bagage qui était extrêmement important et moi te dit ça tout, moi te conseillé de le, moi te partagé et à 100% comme position, à savoir si la République dominicaine lui-même, je dis, a décidé, même j'ai été fermé de manière unilatérale frontière là. Donc Haïti doit capitaliser sous décision pour pouvoir l'ouvrir là comme outil de négociation. Mm-hmm. OK? Pour dire pas gain problème pour frontière l'ouvrir ou bien ou même sous l'ouvrir bon pour là pour l'ouvrir bon pas maintenant moyenne que ou ensemble de bagarre font clair sous lui. Mm-hmm. Exemple, faut que nous d'accord que ressources que nous partager ensemble dont la rivière Massacre nous capable exploiter à part égale, mm-hmm. de manière équitable sous ouvrir ou bien faut échange yo yo fait dans le respect mutuel, faut que yo fait selon les normes et faut que tout ça qu'a fait dans mitan deux peuples yo fait conformément à ça qui est écrit dans traité de paix et d'amitié que nous signé ensemble et au regard de droit international yo et l'ont bien gardé effectivement dans dernier communiqué gouvernement particulièrement dans dernier paragraphe la gaillé de ça il dit clairement même si nous-mêmes nous toujours exiger que l'État beaucoup plus concret, mais nous d'accord tout sur le plan diplomatique jusqu'à présent et discours l'État haïtien lui peut-être quand même à encourager ou bien à féliciter. Par exemple, dans le dernier paragraphe là, nous ouais, et le gouvernement de la République d'Haïti croit qu'un dénouement, ça il faut le souligner, un dénouement ne sera considéré comme convenable que ça est condition Haïti. Si elle permet le partage équitable des ressources hydriques avec les ressources de l'eau, la normalisation des relations entre les deux pays et revenir à la circulation des personnes et des biens des deux côtés, comme c'était le cas entre les deux républiques avant la fermeture unilatérale, c'est pas pour cette raison. Et gouvernement choisi Moussaïo du 15 septembre en créole. En français, en créole, gouvernement dit gouvernement croit solution cap bon pour Haïti, doit considérer question partage sans force côté ressources de l'eau qui sous frontière, normalisation relation entre deux pays, et puis possibilité circulation moun ak marchandises jan sa te avant autorité dominicaine te prend décision pour côté yo fermer frontière jou kite 15 septembre 2023. Donc ça c'est pour donner raison à notre collaborateur, notre Denel Saint-On, grand frère Denel Saint-On, qui lui-même t'a fait considération ça que ne déconsidé d'ailleurs. Oui. On nous croit ça toujours dit question frontière est capable un bon outil de négociation pour Haïti, dans la mesure où au niveau de la République dominicaine gagnent des gros pressions qu'a fait sur Luis Abinader en particulier pour retourner sous décision ça parce que il commençait à gagner des conséquences relativement lourdes sur le pays voisin. Oui, ça veut dire si citoyen l'autre frontière pas agir dans tête chaud, donc nous-mêmes pour nous rester
supposé qui était fait Tintin parce que c'est monsieur fin fait matière libre on est allé retourner venir mettre ça le mettre chic qui mettre mais en tout cas j'ai un peu mon poil avec du feu ça qui éclaté dans niveau d'arbre donc il va falloir que nous très prudents parce que oui, ça discute au vrai oui, discute pas, on attend puisque gagné pompier qui est intervenu mais jusqu'à présent origine du feu a été inconnu donc on y a été pourtant qui sa premier élément enquête qui va le révéler et qui sa discute au vrai tout le monde et si c'est yo qui va mener enquête il y a orienté le vous comprenez mais ça m'a étonné Jean Clément Pierre Sodia pour marché toute sécurité ça yo si nous devons faire président fédération association des commerçants haïtiens du nord-est yo confiance pour le configurer ça et puis pour mon entrer mettre du fil là-dedans et pour le ta haïtien et ça t'a paraît beaucoup plus grave là pour c'est dans parti haïtien ou bien dans marchandise haïtien yo t'a décidé mettre du feu c'est un paradoxe donc nous pas faire fuite en avant n'attendre que ça premier élément enquête yo va révéler mais il faut être très prudent et très vigilant on a continué à parler et même dossier ça tout à l'heure après le côté déclaration Edwin Parizon concernant une série de l'autre mesure gouvernement dominicain a annoncé mais nous parler avec Gauthier Bernard puisque gagné comité groupe haïtien à Miami KPK qui a organisé une activité là dans cadre mobilisation pour construction canal Gauthier Bernard bonjour. Bonjour Gaël Duchel, bonjour Johnny Ferdinand, bonjour tout auditoire, auditeur et audience Caraïbes FM. C'est un plaisir matin et moi-même Gauthier Bernard au niveau Miami. Je salue tout le monde qui est dans la diaspora qui a écouté. Donc c'est un plaisir pour nous faire un petit parler et justement sur question canal là. Effectivement, je vous annonce un comité haïtien à Miami qui dit qu'on n'a pas campé. Nous avons un ensemble d'initiatives que nous justement prenons pour être capables de permettre que gagner des fonds qui sont aussi dans la zone Miami qui sont capables de jouer à supporter. Nous avons au niveau premier canal, la construction premier canal, voilà maintenant. Donc c'est ainsi que nous gagnons samedi 14 octobre, dans la cassation PEP, dans bien classe, et puis jusqu'à Chamon-Béron. Donc, cap animer une soirée dansante, côté fonds, soirée ça, libre à 100% avec justement canal, la proposition canal et on a maintenant. Donc nous-mêmes, et même si nous deux pays, mais nous comprenons que c'est justement une cause nationale, une cause patriotique qui fait que nous toujours disons haïtiens qui sont dans le pays, même dans deux pays, ce sont des haïtiens à part entière, donc qui veulent bonheur pays, qui veulent bien pays. Donc c'est dans ce sens-là, un groupe qui est la donne, moi-même, Gauthier Bernard, Basile Jean-Bertol, Kassa Major, et puis qui est la donne, William. Jean-Louis Titi Couchon, donc nous prenons l'initiative de nous permettre que Mounio mobilise des fonds et qui est capable de permettre que canal avance parce que nous croyons que nous gagnons droit pour nous capables de faire canal, nous gagnons droit justement pour nous capables de jouer de l'eau qui a irrigué plein Maribaroua pour au moins nous croiser un petit peu sous dépendance agricole et République dominicaine après ses voisins. Qui nous profiter occasion matin guéri pour nous voir toute force, toute solidarité, par les commerçants qui ont déjà perdu et commerciaux dans le marché d'abord. Parce que ça pour nous comprendre, c'est que si au niveau et tout parlant plus ça qui gagne Dominique, c'est eux-mêmes qui sécurisent les marchés, c'est eux-mêmes qui contrôlent les marchés, aujourd'hui les marchés oubliés. Donc ça veut dire quelque part eux-mêmes qui parlent juste en partie mais ils disent mes causes d'ailleurs c'est déjà un fait criminel parce que nous pas en pleine crise et puis ils pas même venir prendre une prise sur le canal là et puis je dis mais marché moulé côté nous va faire perdre des millions de pesos va le perdre là et c'est sûr que c'est les commerçants haïtiens qui va le victime. Il est important pour nous comprendre que je dis en fort pour être grand monde et toute révolution changement qu'a fait qui sortit à partir de population et si c'est pas de paysans ou en amitié population qui prend destin mouvement ça en main c'est sûr que pas la bien même deux pas qui défranchit dans la question canal là. Donc dans ce sens ça on va rappeler nous un bagage qui est extrêmement important maintenant non seulement puis nous parler de massacre octobre 1937 sur question Trouillo Léonidas Raphaël qui était fait massacre sur environ 30 000 haïtiens mais puis près de nous tous et guerriers en 2000 militaires dominicains étaient massacrés environ 30 haïtiens dans ces localités dans bâti qui était les Guayabines. Mais il y a un pile monde qui va parler de ça. Dans Guayabines en 2000, il y a été massacré plus facile 30 haïtiens, 30 cultivateurs haïtiens, ces militaires dominicains qui les mettaient à terre de façon sommaire, qui étaient exécutés. Il y a des documents qui sont justement disponibles dans ce sens-là. Ça, c'est pour le bagage pour nous comprendre. Et là, il n'y a pas les tout guerriers, Johnny Ferdinand, des questions produits dominicains.
c'est pas nous-mêmes haïtiens qui dit que seulement pour communiquer aussi des produits qui poisonnent, mais sont évidence. M'a pas appelé pour mon yoga OMC, Organisation Mondiale du Commerce, qui définit normes et qualités de standardisation et aux produits capables de commercialiser sur le marché international. Et 80% pour PPC, produits dominicains, qui n'ont pas respecté les normes et qualités. Et compris, c'est un chapitre 13 au nouveau OMC qui parle de sanitaire, phytosanitaire et hygiénique. Donc, produits dominicains n'ont pas respecté même 10% dans le principe ça. C'est ça qu'il faut après. Au bon centre du produit dominicain, seulement Haïti est capable de vendre. Et il y a en même temps tout, il y a tout seul, Johnny Ferdinand, il y a des entreprises pharmaceutiques, en pile médicaments qu'on a capable vendre dans la machine, dans la rue. Puis, il faut médicaments, ça aussi, la République dominicaine qui est sorti. Donc, ces médicaments que des entreprises pharmaceutiques ont fait, ils ont produit seulement pour vendre sur le marché haïtien. Même j'en ai fait entreprise agroalimentaire qui a fait hot dog, salami, nous sommes des familles salami pour varier ça, qui produit seulement pour Haïti. Il y a une étude qui a été réalisée au niveau CARICOM. Dans ce sens, ça me profite de saluer moi, ambassadeur de la LAN, qui devait permettre que moi-même, au niveau CARICOM, je travaille sur le dossier binational entre la République dominicaine et Haïti. Et bien, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que des produits, par exemple, médicaments qui écrit on products only for Haiti, et nous avons découvert à l'époque une farine qui était sous machine, qui est farine qui est farine espagnole, que dominicain, le gouvernement dominicain était interdit de vendre sous marché dominicain, tandis que l'État vend de l'autre côté de la frontière sous marché haïtien, zone Elias Pine, zone Pendinal, zone Bilader, zone Wanamet. Donc, ce façon pour nous dire que les a parlé du contrebande qui est sous frontière à guerre. Vous avez bien ça m'a dit maintenant. Les a parlé du contrebande. Il n'y a pas une contrebande sous la frontière haïtienne-dominicaine. Il y a une politique de contrebande de la République dominicaine vis-à-vis d'Haïti. Parce qu'il faut comprendre ça. La République dominicaine, mais faut mener une politique de contrebande vis-à-vis d'Haïti pour plus, pas plusieurs aspects. Vous allez comprendre l'aspect ça. Premier bagaille, nous-mêmes, nous connaissons la chaîne binationale. Gagné en sapit. Gagné Malpass, gagné Wanamet, gagné Bilader, yo même yo gagné Peldenal, yo gagné Liaspin, yo gagné Jimani et puis yo gagné Darabon. Mais à la réalité, gagné plus de 25 tous orifices d'entrée et sortie entre Haïti et la République Dominicaine, qui est Dominique qui ont fait un débat, si vous connaissez les camions qui ont passé, puis vous capable de mener la politique de contribution sur Haïti. Parce qu'en pile d'entreprises en République Dominicaine, c'est là que nous ne pouvons pas comprendre, en pile d'entreprises en République Dominicaine qui a produit seulement pour Haïti, ils appartiennent avec Dominicains plus Haïtiens. Ils appartiennent avec des hommes politiques forts en Haïti dans le temps, avec des gens dans le secteur privé en Haïti. Donc c'est eux-mêmes qui montent entreprise ça de concert avec Dominicains pour capable produire pour Haïti. Donc nous prenons un bagage extrêmement difficile et c'est ça qui explique à Bibi prenant Zizirit, il va connaître qui ça veut faire, donc la PC ouvre foncer pour venir commercialiser. Nous-mêmes nous croyons que mobilisation qui a fait plan pour canal en fait, il pas suffit. Faut nous aller au-delà de ça, faut nous aller au-delà de un groupe qui est capable de négocier pour au moins qu'on leur dise leur compréhension du comportement gouvernement dominicain qui c'est généralement on est quoi Abinader ultranationaliste anti-haïtien. Donc je dis en celle ça lui-même qui en tête c'est continuer vendre 60 millions de par mois. Continuer vendre parce que Haïti c'est premier marché. Donc si nous même nous acheter nous va imposer la loi parce que nous capable acheter c'est lui même qui voit. Donc maintenant encore nous merci remercie et guerrier du chef Johnny Ferdinand pour go travail ça qu'on a fait nous focus justement et sur canal là parce que ça est extrêmement important pour nous et nous voyons beaucoup de chapeau baïti monsieur média en ligne qui toujours permettent que en pile dans monde déjà soir ouais ça passe en direct sur téléphone sur plus différentes plateformes et nous même et groupe haïtien dans Miami canal en pas camper qui a fait balle la samedi avec classe et puis cacha numéron donc puis fort l'agence ça 100% l'agence ça il va aller justement pour canal là donc on profiter pour saluer Pouchon William Jean-Louis basé Jean Bertol cacha major donc qui nous comité ça qui permet que une mobilisation continue parce que c'est haïtien en dans Haïti qui vit là en Haïti et qui a vu dans la diaspora, qui conserve véritablement du problème pays, qui veut véritablement nous sous côté de sortir, qui a pris ce pays là, c'est pas pièce force internationale, c'est pas pièce force étrangère. L'espoir Haïti, c'est haïtien lié, monsieur. D'accord. Donc, Gauthier, on a rappelé, la fête, c'est samedi. Rappelez-nous, Jazz Kapala, et qui adresse l'espace là. C'est samedi, en 14 octobre, la fête n'a qu'à
Station PEP, 7920 Paes Boulevard, et Pembouk Paes, 7920 Paes Boulevard, Pembouk Paes, la fête dans la Station PEP. Donc, on est capable de venir ou faire réservation tabou, ou acheter ticket ou suivre une bike, pour visiter pour qu'il y ait Basile ou faire réservation tabou. Comme ça, tout n'est pas capable de voir donation, parce que c'est justement dans la perspective balle que nous-mêmes avons réalisé justement beaucoup de balle ça, dans la perspective construction canal là. Donc, premier canal là, c'est canal Wana, maintenant c'est la perspective ça, nous réalisé balle là, pour nous permettre qu'il y ait moyen, qu'il faut qu'il soit disponible pour nous aboutir avec construction canal là. Et le 18 novembre, j'ai envie voilà, inaugurer canal là. Qui s'est bataille de vêtière et puis pour nous capable de continuer gagner l'autre initiative parce que nous-mêmes au niveau de Jasoua nous dit qu'après qu'un canal pas campé, nous continuer mobilisation pour nous permettre que Dominique qui est en face de nous soit capable de respecter le peuple haïtien pour nous dire nous véritablement. Mais Jasoua, pas capable de dire parce que nous entrons dans le débat public, nous pas grand qu'à faire aujourd'hui, nous parlons d'autant plus. Je dis en longtemps de quand dire 60% moun et compétences etc qui dans diaspora. Je dis c'est presque 85%. Moi même qui marche en pile. Donc chaque coup les moun vont côté m'après qui qualité moun qui vient pas fabriquer mais qui là mais demain en tête. Donc les pays a bon gouvernement guerrier. Nous pas obligé goumer pour retourner au moins 15% moun qui était pays pendant ces dernières années pour capable retourner dans pays parce que ce sont des compétences qualifiées sûres qui était pays et qui était fin formé pour construire Haïti. Voilà, merci. Merci un peu le Gauthier Bernard. Voilà.